Bonjour, bonjour, on se retrouve pour aujourd'hui continuer l'événement. Bon, je vais faire un petit peu mes quêtes quotidiennes et après direction l'événement. Bon, ça va prendre 15-20 minutes déjà. Puis on continuera notre petite histoire. C'est parti. Je vais passer, hein, de toute façon, ce sont que les quêtes quotidiennes, donc rien d'intéressant dans l'histoire. Salut Motif, ça va et toi? Et c'était donc pas elle qu'il fallait que je parle, c'était elle. Ouais, aujourd'hui je continue l'événement. J'aurais peut-être dû regarder ce que je devais faire. Livraison à domicile, livrée. Tac. Il faut que j'ai... Mince, c'est pas ça que je vais faire. Je regarde où est-ce que je dois livrer. Tac, non. Attends. Voilà. Hop. Téléportation, on y va. Heureusement que les téléporteurs ils existent parce que sinon ce serait la merde. Freeze. Cool it. What's the hurry? Dodge this. Don't get frostbite. Ça va y aller. Cool it. Et le petit dernier. Ok, hop, on passe, tenez. Il faut que je retourne voir la nana. Hop, point de téléportation. On va aller lui donner ses petits sous. Hop, je paye. Tac. Et j'ai gagné un gratin. Pas mal. Au suivant. Tac, on va aller faire celui-ci. Bon oui, je fais un petit peu mes quêtes quotidiennes, mais vous en faites pas. On va aller tout de suite après faire l'événement. What's the hurry? J'arrive pas à reprendre. Voilà. Closer. Try not to enjoy this too much. Bim. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des trucs à côté? Oui, là. Hop, je récupère les petits trucs qu'ils ont perdus.
Ok, hop, map. On va aux deux prochains qui sont juste à côté l'un de l'autre. Ça, c'est plutôt pas mal. Au moins, ça va aller vite. Ah. Oh, il faut encore que je le batte, lui. Je l'ai déjà fait. On va prendre... lui. Et hop là, je l'ai. Dodge this. Des renforts. Oh, so sorry. Dodge this. What's the hurry? Hey, that's cheating. No one escapes by sight. Une tornade de feu. Voilà. Hop. Troisième quête. Fini. Ah, c'est pas ça que je vais faire. Hop. Non. Voilà. Pas de coffre. Ça et puis bah faut remonter. Je me téléporte. Ouh, on va se téléporter. Tac, on retourne ici. Parce que sinon faut regravir la falaise, c'est un peu chiant. Allez, on va aller combattre un gros ennemi. Enfin, il est simple en vrai celui-là, donc ça va. Oh oui, je savais pas si ça allait le faire. Donc, on a dit qu'on allait faire... Ah, je vais récupérer quand même ma récompense. Comme ça, ce sera fait. Et puis, on se retourne sur l'événement. Salut, CX, je t'avais pas vu, désolé. Je fais les quêtes, oui, bah, vite fait.
Mais j'écoute pas les dialogues, ça sert à rien. Je peux aussi utiliser Lisa. Ah ouais, ça va l'électrocuter. Je savais pas que la glace ça allait pouvoir le faire, parce que vu que c'est un truc d'air et tout, je l'ai jamais testé. Non, c'est pas elle. Je sais pas pourquoi je suis allée voir elle. C'est un peu plus loin qu'il faut que j'aille. Oups. Voilà, mes petites récompenses. Ad Astra Abyssosk. Welcome to the Adventurers Guild. En gros, sous sa barre de vie, t'as un logo d'élément. J'ai pas fait gaffe. Honnêtement, j'ai pas du tout fait attention. Ouais, effectivement. Eau plus glace, ça gèle. Thank you for completing today's... Au moins, ça c'est fait. Je relance les expéditions. Tac. Récupérer. Explorer. Récupérer. Explorer. Voilà. Ça me paraît pas mal tout ça. Donc en fait, donc c'était pas vraiment celui-ci l'événement que je voulais faire à la base. J'ai redemandé à mon frère qui joue également. Et en fait, c'est celui-ci que je l'avais vu jouer. Et je savais pas. Donc bon bah, je ferai celui-là dans peu de temps. On verra comment avance celui-là ou si ça me plaît réellement ou pas. Il y en a d'autres, mais c'est un peu plus complexe. T'as un donjon qui t'explique bien ça. Ouais, il y a un donjon, ouais, j'avais vu qu'il nous apprenait les mélanges d'éléments. Alors, l'event, c'est le truc des origamis, ok. Mais je l'ai pas fini. Donc j'ai commencé l'histoire. Mais c'était celui-ci, en fait, à la base, que je voulais faire. Et je sais pas, je me souvenais pas. Tant pis. On va continuer celui-là, au moins. Mais non, je l'ai pas fait, le deuxième. Attends. Hop. Comment est-ce que je retourne dans mon monde, là ? Ah si. Ah bah si, non, attends. Mais c'est pas à ça qu'il jouait. C'est pas possible. Hello, ça ressemblait nice pas to du meet tout you. À ça. My name. Everything's ready. Hello, nice to meet you. My name is Xiangling. Non, mais t'as raison, I'm a chef je suis pas Liyue. J'ai fumé un pet, c'est pas possible. Mais non, c'était un autre monde. Let the magic begin. Hello, nice savais to pas meet la, you. La tête My de papier ou je sais pas quoi là. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Non, je fume pas en vrai, mais... comment est-ce que je retourne là-bas du coup? Ah si, j'attends, je fais like running. Map. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je fais pour trouver mes... Je lui parle. Retourner dans le monde. Ah non. Je crois que... Ça va être compliqué ce matin. En fait, faut que je l'active ici. Non, mais je suis trop bête. Non, c'est pas ça, c'est ce que j'ai fait en fait finalement. Comment j'y retourne? Ouais, je veux retourner dans le monde simulanka. Comment? En gros, ouvre la map. Ouais. Donc, ça, c'est ce que j'avais fait. Mais j'ai que la carte mon stat. Comment? Région Bello. Ouais. Là? Non. Je sais pas. En bas à droite. Ah! Oh! Ok. J'ai compris. Merci. Hop! Allez, let's go! Tout. Ça va être dur. Bon, ça va. C'est plutôt simple comme.
comme événement, donc ça va. Ou alors dans cet événement, il y a plusieurs maps possibles, non? Ou alors c'est la seule. Je sais pas. This is the place. If you could just wait a moment, the fairy should be. Traveler, Paimon! Paimon knows that voice. Yes. It's really you. I'm so happy to see you. Bah, elle m'embrasse alors que moi je la connais pas. Je l'ai jamais vue. Sorry. Ah, c'est la fée de la forêt. Ok. La fameuse. So Nilu is the forest fairy? Well, you certainly look the part. Thank you. To be honest, I'm still getting used to it. It's the weirdest thing. I remember I was reading a book at the Grand Bazaar, and then I guess I must have fallen asleep at some point because, well, then I woke up dressed like this. And in my dream, someone spoke to me. They said, "You are the fairy of the Forest of Blessings. Now go, save the forest with your magic." At first, I thought this whole world was just part of the dream, but no matter how hard I tried, I couldn't seem to wake up. I couldn't find anyone I knew from the real world either. Sounds similar to what happened with us. We also have no idea how we got here. Anyway, sorry for my reaction back there. I got a bit too excited when I saw you two. It's okay, we totally understand. We were looking for a way out too. At least we know we're not alone. Oh, blessed be the goddess of fate above. You're already friends with the fairy of the forest. Grandpa Almond, thank you so much for bringing my friends here. Could you let the others know I'm coming? I'll head over right away. Of course. Leave it to me. Hey-ho, pistachio. Today truly is a blessed day. Wow, Nilu. Looks like you made short work of getting to know the locals. Well, when I arrived here yesterday, Grandpa Almond told me all about the state of this world. Since they think of me as their forest fairy, I just felt like I had to try to help them. Oh, so you mean like using some kind of forest magic to repair the tavern? Unfortunately, I don't know how to use the magic of this world. I've tried using my vision, but it doesn't seem to work here. If the books stored in this hut are anything to go by, this seems to be the place where the goddess of creation first made the townspeople of this forest. She folded the pages of books into small origami animals, gave them life with her magic, and with time, that's how the Forest of Blessings took shape. Maybe one of the books here could teach us how to use magic. I read them all, but only found one reference to magic. The incantation, Abracadabra, means to create what I say. This is a world made up of words, where fantastical powers can be wielded by all. Okay, so basically everyone in this world can use magic? That's nice, but still kind of vague. Yeah, from the other books I read, it seems like this goddess really likes to play fast and loose with the details. So, what should we do now? Didn't you say you were going somewhere, Nilu? Oh, yes. I was going to help some of the other residents of the forest. They've been busy making preparations to reopen the tavern, so I thought I could help out. Got it! Guess we should just focus on what we can do for now. This whole thing is making me pretty nervous, actually. It's like I've been pushed on stage without being taught the choreography. Since I'm already wearing the costume, though, I might as well try to play the part. It's what a professional dancer would do. And who knows? Maybe I'll find my own magic along the way. All I can do is try, right? At least you're optimistic!
you. Then let's go. Ok, alors... viens un écureuil volant, particulièrement passionné... Ok, let's go. J'irai chercher le petit avion en papier plus tard. Ah, deux nouvelles guerrières se présentent pour relever le défi. Êtes-vous ici pour jouer à Bourrasque Boréal? Venez par ici. J'ai hâte d'admirer vos prouesses de vol inégalées. Il n'est pas nécessaire de rester calme pour voler, cher invité. Absolument pas. Gardez votre sang-froid, ne fera qu'émousser votre sens du vent. Affronter le vent, déchaîné, sans aucune préparation, permet de dévoiler votre véritable potentiel. Prouesse de vol, ouais. Ouais, ouais. Les écureuils volants sont très timides de nos jours. Ils ont complètement oublié les enseignements de... Brave vent du nord. Je suis la meilleure au vol. Je pensais que tu le savais depuis le temps. Ils restent dans des endroits sûrs et déclament le courage des feuilles qui dansent au vent, mais ils sont bien trop effrayés pour sauter eux-mêmes dans ses bras. Oui. Fumeuse. Non mais oui, voleuse, oui. Enfin, voleuse, pour dire je vole. Dans les airs. Tel un petit papillon. Qu'on ne mange pas. Comment pouvons-nous protéger le royaume à côté de Son Altesse si les choses continuent ainsi? C'est ridicule. Cet écureuil volant a de l'énergie à revendre. On dirait qu'il aime vraiment voler. C'est pourquoi je me suis trouvé un passage avec un courant de vent particulièrement intense et j'y ai installé... Tout sorte de pareil. Non, je mange plus les papillons. Petite bestiole. Seuls les plus courageux, les plus audacieux et les plus belliqueux en vol seront les meilleurs sur ce parcours. Avez-vous le courage? Allez, on y va. Et c'est long les dialogues. Hein. Le passage n'est pas loin d'ici. Accéder au défi. Hein. J'imagine que ça va pas être bien compliqué. J'y ai là. Ok. C'est parti. Ah, un défi ici. Map. Je suis où? Là, le défi, il est là. Hop, confirmé. Non, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Oh, c'est quoi ça? Ah oui, je peux voler avec les écureuils, j'avais oublié. Là, il y a les méchants de l'autre royaume. Je les ai fait partir loin.
you can't keep up with me. Ah, mais il a récupéré sa ville, enfin. Windblade. Ok, c'est bon. J'ai libéré mon petit coffre. Tu veux voler des écuries, t'as pas honte. Ah mais non. Quite the fine. Heureusement que ce preux m'a sauvé. Ok, d'accord. Du coup, on allait par là-bas. Il y a un avion en papier aussi à côté. Là-bas. Et un défi. Bah non, c'est mon défi en plus. Et un petit coffre. Oula, c'est quoi cette bête là? On ira après. Allez. Alors, dans le thème bourrasque boréale, vous devez vous déplacer et tirer sur différentes cibles pour marquer des points. Ok, les cibles verrouillées sont indiquées et vous perdez une certaine quantité de points si vous heurtez directement une cible. Ah oui, d'accord. Les tirs consomment de l'énergie qui se régénère lentement, alors faites attention à bien contrôler votre cadence de tir. Dans ce thème, deux boutons vous permettent d'utiliser deux types de tirs. Le tir rapide, ok, et le tir chargé. Appui long permet de charger pendant un moment avant de relâcher pour tirer. D'accord. Ah, c'est cet élément qui t'a fait penser à Mario Galaxy. J'ai jamais joué à ça, hein. Mario Galaxy. Désolée, j'ai pas la ref du coup. Les blocs balèzes peuvent subir de nombreux tirs et chaque tir les fera changer d'une certaine manière. Ah bon? Ce qui les rend vraiment coriaces. Ouais, ok. Bon, on va y aller, hein. Ah oui, d'accord. Du coup, j'en ai loupé un. Comment j'ai fait mon compte ou... J'ai pas intérêt de charger son tir. Je leur fonce dedans, je crois, dans ceux-là. Ok, ça va pour le moment. Du coup, c'est chiant, ça indique pas le nombre de points. Ok. Ah non, score actuel 1550. Ok, j'ai vu. Ah, je vais où là? Ah. Ah, j'ai pas réussi à tuer les balles robustes. Je sais pas quel score je devais faire. Je vais sur le niveau. Donc. Ah bah, j'ai réussi. Fallait 1500. Bon bah nickel. T'as eu les récompenses, ça va. Ouais, carrément. À 50 points. Nickel. Tac, comment je sors? Ah, là. Il y a un autre défi. Donc. Il me faut 2500 points. Par contre, j'ai pas compris comment... Oui, j'ai...
Ah, tu relèves vraiment tout. Hein. Oui, récompense. Pas récompense. Ma langue a fourché. Ça arrive. bon, du coup, j'ai pas compris comment tuer les robustes. Je crois que j'ai foncé dedans finalement. Ça va être compliqué si je fonce dedans après. Bah. Ah, c'est pas au même endroit? Ah, bah oui, d'accord. Cool it! This moment will be frozen! Bah. Ils sont où? Un foie. Windblade! Haha! Freeze! Au milieu de nulle part là, j'ai pas compris hein. En fait quand tu fais le défi tu te retrouves bah, à perpète de ton lieu de défi, c'est génial. J'aurais pu m'y ramener hein. Et puis en plus y a même pas de téléporteur. Oh, j'ai même pas activé le téléporteur. Tu fais clic droit maintenu, c'est un gros laser. Ok, bon bah, je vais essayer. T'es maman? Pourquoi t'es maman? Découvre la zone avant. Alors. Ah, je vais aller chercher le petit avion d'ailleurs. Ah! Le succès, il disait que j'étais maman. D'accord. J'avais pas regardé. Ah, mais c'est pas un défi, ça. C'est le point de téléportation. Voilà! Allez, on retourne au défi. Pourquoi ce gros machin en bas? Protège le coffre, je pense. Une maman qui mange des papillons. Oui. Allez, c'est parti pour le suivant. J'arrive à faire 2500 points pour le même parcours. Ça les explose pas? Regarde, je fonce dedans. Ah oui, d'accord. Ok! J'avais pas fait clic droit en fait. Oh bah ça va, c'est facile en fait. Bon, maintenant que j'ai compris. Faut que je fasse 2500 points. Hein. 1950. 2300 points. Oh la blague! C'est parce que j'ai loupé le premier ballon. Allez, on recommence. On n'a pas le bon niveau là.
Ah, c'est vrai. Je retourne. Ah non, je suis au bon endroit. Pour une fois, il m'a ramené ici. Ça devrait le faire. Tu peux utiliser le laser pour les jaunes. Comme ça, ça en fait plusieurs. Ah ! Oh ouais ! C'est génial, ça ! Bon, bah, du coup, je vais avoir largement les points. Bah, nickel, merci. Pour 2500, nickel. Nouveau record. Ok. Ah, je peux plus récupérer le. Oh non, j'ai. Oh non, je suis trop bête. J'ai pas fait le bon niveau. Oh purée! Bon, bon, on recommence. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais on y arrive, on y arrive. Comme quoi, là, j'ai réussi. Bon, pas pour le bon niveau, mais j'ai réussi. C'est un bon point. Merde, le pas d'air. Il est où mon défi ? Je le vois pas. Ah, hier. Hop là ! Ah, voilà. Hop, allez. On va y arriver. J'ai pas de... J'espère que j'ai sélectionné le bon. Je crois que j'ai pas changé. Là, je suis en train de faire une grosse blague, sérieux, c'est pas possible. Ah. Ça va être chiant. Hein. Parce que je crois que j'ai vraiment pas changé de niveau. J'ai fait le même score que tout à l'heure, mais je suis pas sûre d'avoir activé le bon niveau. Sinon, on va recommencer, hein. C'est pas grave. Ouais.
Voilà. C'est quand même ballot, ça. Oh putain, j'en veux plus. Allez, on y retourne. Aïe, 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 aïe. Ah ouais, là, carrément, masterclass. J'ai jamais fait ça. C'est pas possible. Tu peux pas faire les autres, je crois. Bah si, 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 je peux faire les autres. Vu que j'ai fait le niveau 1, je peux faire le niveau 2. Et une fois que j'aurai fait le niveau 2, je peux faire le niveau 1. Niveau 3. Ah, mais non! Je peux pas sélectionner? En fait, il me lance directement. Ok! Oh bah ok. Non mais bon. Je me disais aussi, c'est bizarre. Ouais, j'aime bien le mode vol. C'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Aider les habitants de la forêt. Ouais. Faut que je refasse de la musique? Your rhythm is off again. At this rate, it doesn't even matter if the tavern reopens. The band's not even going to get any gigs. I'm sorry. Hello there. I hope we aren't interrupting your rehearsal. Wait, these are the two frogs we saw on the road a little while ago. Oh, the forest fairy is here. For the love of lotus leaves and dewdrop stream, you've really got to put in some effort now. But I... Oh, don't pressure yourselves on my account. Are you rehearsing for a show? Sure are. You see, our group regularly performs for guests at the tavern. We've been out of work for quite some time, with the closure and all, but after hearing of the fairy's arrival yesterday, we figured we needed to get in performance shape right away. I understand how you feel. Back at the Grand Bazaar, Zubair Theater's always busy with rehearsals, too. The Grand Bazaar? Do people there sing on lotus leaves as well? Yeah, they do. And it's a really big one. Ah, then he must be an ambitious director. One who would do anything to avoid disappointing a single member of the audience. Is there anything we can do to help you, Mr. Stream? Oh, no, no. My problems are mine and mine alone. It's just... After the tavern closed, I somehow forgot how to sing. I'm always a few beats behind everyone else, and I keep singing out of key. You were our trump card, our best singer by a mile! I know, but... So he is a victim of the fading disorder too? Don't be sad, Mr. Stream. Whenever I've forgotten important dance steps in the past, my friends at the Grand Bazaar always stick by my side to encourage me. They smile and patiently tell me everything's going to be okay. Then, they play the melody for me over and over, until the steps finally come back to me. Now, it's our turn to help you! We just need to help you remember how to sing, right? The Traveler's got a great sense of rhythm. We can help keep you in time! Well, what do you say, Stream? I think it's a great idea! Just focus on the lyrics, and the fairy's friends will help you stay on beat. Are you sure? This is really asking a lot. Don't worry about it, Mr. Stream. It'll all be worth it when the tavern reopens and we finally have the chance to hear your marvelous singing voice. All right, then. Thank you so much, everyone. I'll give it my best shot. Allez, on va l'aider à danser, parce que... Danser... Il va juste sauter le machin. Excellent!
perfectly in time. Les hamsters, ils servaient à quelque chose. I feel like I'm getting that. Goddess is above. Attends, thank recommence, you, everyone. Recommence. Glad to hear that you're feeling better, Mr. Stream. It's also about time for us to go to our next destination. Mm-hmm. We'll be looking forward to your performance at the tavern. Traveler, come on. We should make our way to the next location. Mais il va y avoir une histoire avec les quatre hamsters qui étaient devant là. Donc. On va aller à celui qui est presque... Ah, petit coffre. On est là-bas. Quite the find. On va aller là-bas. Et l'autre, il est où? Ouais, ils sont... Ok. Ouais, je suis chorégraphe. C'est les petits hamsters, les chorégraphes, par contre. Je pense. Si j'ai capté le truc, j'aurais dû capter avant, mais bon, c'est pas grave. Look, the forest fairy is here, and she brought her companions. Grandpa Almond was right; they do look promising. Hello there, everyone. I heard you were working on the piping for the calligraphy tavern. Non, pas la calligraphie. Is there anything we can do to help? Non. Oh, we wouldn't dream of troubling you with our petty problems, my lady. Don't you worry, we have it all under control. You sure about that? Because from where Paimon's floating, the piping is looking pretty chaotic. Yes. We have my careless friend to thank for that. He promised we could leave the pipe connecting to him, and, well, the results speak for themselves. Hey, I just wanted to inspect each pipe. This is the network the magic tonic has to flow through. I was just trying to be thorough. So, I disassembled the whole thing. Prestigieux, carrément. Bah, dis donc. T'étais dedans, je pense. Si tu dis ça. Yeah, and now you've forgotten how to put the thing back together. Have you been eating too many nuts again? Because you are what you eat. Après les goûts et les couleurs, hein. Faut pas trop discuter là-dessus, hein. Please don't fight. I know everyone wants the tavern to reopen as soon as possible so that the forest can return to normal. So, why don't you let us help out? Yeah, we're here anyway, so we might as well be helpful. We just need to reassemble these pipes, right? Well, if you're offering... Basically, the pipes need to be connected properly to allow the magic tonic to flow through. If you put the wrong pipe in the wrong place, the tonic will get stuck halfway. Attention to detail is key. Eh bien, enchanté, Léon Marchand. Says the guy who messed up the whole thing in the first place. Bon. Ça va être quoi cette fois-ci? Alors attends, c'est où que je déclenche le truc? Ah, tournez le tuyau. Cool it. Oups. Ok, donc il y a un endroit où il faudra absolument que je sois là. Où il faut. Ok, là-bas il va falloir que je tourne dès que ce sera le moment. Comment je vais pouvoir deviner si c'est le moment? Ah, oh d'accord, ok. C'est assez lumineux. Et voilà. Bon, c'était facile. T'as le petit truc là, dans le petit... Oh. Ah ouais, tout ça pour ça.
Oh, amazing! You did it! Bien sûr que now je l'ai fait. The tonic will flow into everyone's cups without getting stuck, right? Oh, gotta say though, Paimon is starting to get pretty curious about this magic tonic. Could she have a teeny tiny sip? Just a little taste, please? It's not greed, it's curiosity. Well, if it's really just one sip, I guess that would be fine. Une petite gorgée, ça fait la tasse, hein. Just be careful. This is one of the last cups left in the entire forest. We're supposed to save it for our research. Ah, mais non, laissez pas goûter Paimon. C'est pas possible. Just a sip, promise. Okay, here goes. Va tout voir. What was that? Oh, it's sticking to Paimon's tongue. Wait, does that mean... Ah non, elle a pas tout bu. What the legend says is true. Je suis mauvaise langue. The goddess of fate used ink to compose her stories on paper, and the goddess of creation used her power to bring those tales to life. No wonder the tavern is so important to the forest. Maybe the fading disorder occurs when the ink within the body dries up. That would explain why the beings here are forgetting their own stories. Oh. I'm not really sure I can really wrap my head around this conversation, but there's no need to get all worked up on our behalf, my lady. With the pipe installed, I'm sure the tavern will be up and running in no time. What do you mean, can't wrap your head around it? The fairy is recounting the story of how the goddesses gave us life. In fact, I've seen the goddess of creation with my own eyes. Really? Don't be ridiculous. There's no way you're old enough to have met her. We're the same age, and I think I would know considering we went to tell our wishes to the goddess of fate together. So stop talking a load of papier-mâché. Il parle vite, châtaigne. Oh, fine. It was my grandfather, all right? He was the one that saw her. He said that one day after he finished work, he saw the goddess of creation grant us life with his own eyes. In her hands, she held the very paper used to form our bodies. She whispered something into the pages, and then suddenly a paper frog was born, ready to leap into the world. Oh, it was spectacular! Mais il dit pas miracle, il dit spectaculaire. Cut the theatrics, will you? You weren't even there. Il y a un petit problème de traduction quand même, hein. C'est pas la première fois que je le remarque. Bon, c'est pas grave. Wait, so that's it? Paimon thought creation magic would have a little bit more pizzazz. J'ai jamais entendu ce mot-là, pizzazz. Oh, so in your world, the creation of life is a much showier affair? I'm learning something new every day. Well, that's not exactly what Paimon was trying to say. On va leur un mail. Non, pas à ce point-là. Après, ce serait en japonais, là, les paroles. J'en saurais rien. Salut, Spé. Tu vas bien? Magic doesn't have to be spectacular. That's enough out of you. All your boasting is confusing our kind fairy. Oh, no, it's all right. I actually think I understand the magic of this world a bit better now. Thank you. The honor was all ours, m'lady. We've got one final stop. Ça, c'est l'avantage de l'anglais. On peut savoir si la traduction est bonne. Ça se trouve, c'est eux, en anglais, qui ont mal traduit le japonais. How fortunate. Qui sait? Alors, il est où mon petit avion? Là-bas. Peut-être. Oui, peut-être. Alors, est-ce que je vais pouvoir monter? Non, bien sûr, ça me bloque. Hop, on monte ici. Voilà. Ah, mais c'est un chapeau. Un chapeau de sorcier. Ah, c'est chinois. Bon, j'en sais rien, moi.
Jap, chinois. Jamais fait la différence sur leurs paroles. J'ai pris le coffre ? Oui, j'ai pris le coffre. Oula, il fait nuit là ? Ah oui. Je me disais aussi. Oula, j'espère que j'y vais là. Oui, ça passe. C'est bon. Waouh, il est joli l'arbre à droite. Il y a l'air un petit avion dans ce truc là. Non ? Ça a pas l'air. C'est raciste un peu ça, fais gaffe. Mais non, j'ai pas dit de choses racistes, c'est juste que je connais pas le langage chinois et japonais, donc je peux pas savoir lequel est lequel. Please tell me you're joking. We can't have you out of commission with the tavern about to reopen. I'm sorry, Grandpa Almond. It's the truth. I was just too excited for the reopening and must have fallen asleep in an awkward position. Alors j'imagine qu'elle est censée être soit un chien, soit un renard. Grandpa Almond, ah non. We're here to help. C'est un lama. Je voyais que la tête. Oh, hazelnuts on high. You could not have come at a better time. Please allow me to introduce you. This is the bartender of the Calligraphy Tavern, Miss Citrus. Miss Citrus is supposed to add all Citrus. Kinds of delicious fruits to the magic tonic. Her additions are what turn it into the finest brew in the land. I appreciate the kind words, Grandpa Almond, but... my neck. Are you all right? Terrible timing. Getting a kink in my neck and a... Could you give my tail a little twist? That should help free up the movement in my neck. I would do it myself, but I can't reach my own and Grandpa Almond is too old and as light as a feather. The neck and tail are connected? Of course they're connected. Just like how you can't have a rainbow without rain. Anyway, you just need to position me at the right height to pick the fruits. And then put them in the barrel over there. Okay. Oui, ça j'avais compris. Ah, voilà. Une fois connecté, vous pouvez obliger, bouger pour ajuster l'orientation et la hauteur du coup. Ok. Faut que ce soit à quelle hauteur du coup. Alors, T. Wouah. Wang. Why? Oups. Ok. Là, je peux la transformer en girafe. Merde, je l'ai pas attrapé. Il faut que je la mette à quelle hauteur? C'est pas possible. Bon, on va le mettre là. Comment je fais? This doesn't seem quite right. Ouais. This doesn't seem ah non, quite right. Ah mais j'ai pas besoin de. Ok, c'était nul. Ah ok. D'accord. Il y en a combien à faire? Ok. Oh, ça va finalement. Perfect. My neck feels much better. D'accord. So there really is some kind of connection between your neck and tail. Thank you so much, everyone. I can rest easy now, knowing the drinks at the tavern will be just as wonderful as before. C'est grâce à moi qu'il y aura à nouveau des boissons à la taverne. That's another problem solved. Je devrais être ce lama? Non, non. Non, non, pas de lama. Puis c'est pas beau. Fascinating. Après, c'est mon avis. Alors, où allons-nous? Attends, il y a un avion quelque part.
Ah, il y a pas. Est-ce que je peux le choper là? Je peux pas le choper? Oh putain, les balles. Les enfoirés. Faut que j'aille tout en haut. Bon, c'est pas grave. Allez, on continue. Faut que j'aille là? Non, faut pas que j'aille là. Je suis où? Ah oui, je suis là. Faut que j'aille ici. Mais pourquoi lui, il clignote? Ah, j'ai deux trucs à suivre. Ok. Ah oui, je voulais me téléporter. Pour manger des papillons, c'est pratique. Ouais. Allez, c'est chiant quand ça monte, ça monte, ça descend. Well, since we've taken care of most of the tasks, all we need to do now is reopen the tavern. But we still don't know how to use the magic of this world. We don't even know why the tavern closed in the first place. Oh, what about the method that one hamster mentioned? You should try it, Nilu! You mean the creation magic his grandfather saw outside the Hut of Blessings? Hmm, I wonder. How exactly did the Goddess of Creation give them life? Maybe you don't need to understand it. Just give it a try. Everyone here calls you the Forest Fairy. Maybe you have the magic powers already and you just don't know it! In other words, this forest is a stage. And all I need to do is step out into the spotlight? Sounds just like a fairy tale. Well, we are surrounded by talking origami animals and magic potions after all. Almost seems like anything's possible in this place. You're right, Paimon. We won't know anything unless we try. In that case, let's see. This is how you do it, right? I think I got the folds right. Whoa, your origami skills are great! Ah oui, d'accord, c'est elle qui l'a fait. Mais du coup, maintenant, il faut lui donner vie. I once saw one of our prop people making something similar. It looked really cool. So I took some time during my break to learn the basics. It's not a bad way to stave off sleepiness either. Well, how do you feel? Sense any, magical powers flowing through you? No. No? What are we missing? Magic words? But how am I supposed to know what the goddess said to bring them to life? Oh, good point! You're the forest fairy, Nilu! What do you want to say to the new resident of your domain? Elle l'embrasse sur le front. Ok. I bestow upon you the blessings of the forest and offer you a home in this land. Your name shall be Hadisara. May you bloom in this world as beautifully as the flower I love. C'est pas le plus simple des mots. Ah, il est vivant. My name is Hadisara. Hadisara. Ouais, c'est mieux ça. It worked! It actually worked! Well, peel my shell and call me a nut. I never imagined I'd witness such a miracle at my age. It's just like what the story said about the Goddess of Creation. Shell? Miracle? Nice to meet you, Hadisara. I'm Nilu, the fairy of this forest. From this day forward, this place is now your home. Hello, Fairy Nilu. I hope you'll grow up happily in this forest. Grow up. Oh, you can leave the little one with old Armand for now. Oh, this sure brings back memories. It's been such a long time since we last held a welcome ceremony.
Here, Padishara. Come to Grandpa Armand. Well, now that Nilu has mastered the goddess's magic, we should be able to reopen the tavern, right? Grandpa Armand, could you send a few people to check the underground space beneath the tavern? Oh, of course. May I ask why? The moment I used magic, I sensed something strange down there. I have a feeling it's connected to why the tavern had to close down. Eh ben, bonne course, du coup. Merci. À plus. Of course. We'll look into it right away. Make sure you listen to Grandpa Omen, Padishara. Don't go Padishara. Listen. Running! Okay. Hey, come back here, you! Wait! Yep, that's Nilu's creation, all right! He's got so much energy. Anyway, how did you manage it, Nilu? Well, all I did was say my wishes for her out loud. Maybe the magic is in the words themselves, just like the book said. This place is seeming more like a fairy tale by the second. I mean, we're somewhere called the Forest of Blessings, so it kind of makes sense. Well, anyway, Paimon thinks this magic suits you perfectly, Nilu. When I brought Padishara to life just now, I was able to sense the magic flowing through the forest, and the flowers and trees, and inside the creatures that live here. But for some reason, there's a hollowed-out space beneath the tavern where I couldn't sense anything at all. We're back, my lady. That was fast. You were right. There was something under the tavern that I've never seen before. It looked transparent and gave off a clinking sound when I knocked on it. Transparent and clinking? Oh, I've got it! Already? You've got to use fairy tale logic, Paimon. That's right. An empty ink bottle, to be exact. Still remember the taste of the magic tonic you took a sip of, Paimon? Yeah, it was ink. Oh, Paimon gets it now! Traveler, Paimon, will you come gather some ingredients with me? I learned what we need to make the magic tonic back in the Hut of Blessings. Sure thing! What do we need to get? A setting sun that never sets, a dragon that cannot fly, and a moon that only shines at night. Where are we supposed to find crazy things like that? What? How did you get that so fast? Logic, huh? Lucky guess, more like. Okay. Faut que j'aille sous la taverne, j'imagine. Récupérer les ingrédients pour faire du tonique magique. Ils m'ont pas mis la liste. Mais ça, c'est pour mettre les ingrédients dedans. Ah! Bienvenue dans la forêt des bénédictions, chers invités. Vous êtes ici en voyage ou pour assister au tournoi des sauts de la mare de Champluis. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une excellente visite. N'oubliez pas d'éviter le dragon géant. Il y a un dragon en plus, car il peut apparaître à tout moment. Ne le laissez pas vous ralentir. J'ai essayé de lui donner des modèles de papier, en papier, en espérant que ça améliore son humeur et l'empêche de sans cesse détruire mes étagères. Mais il ne semble pas du tout disposé à m'écouter, il n'en fait qu'à sa tête, comme toujours. J'ai presque oublié de vous présenter mon chef-d'œuvre et cette étagère exceptionnelle. Par ici, s'il vous plaît. Regardez ce façonneur merveilleux. Il contient tous les modèles en papier que j'ai réalisés.
pour les fabriquer, j'ai marché, enfin sauté dans le monde entier. Je me suis également fait d'innombrables amis. L'écureuil volant Clanche, qui m'a souvent invité dans un champ de vent pour m'apprendre à voler. Ah, carrément, une petite grenouille qui s'est volée. David, qui aime les maquettes en papier autant que moi, et Alof, qui est toujours impassible. C'est vraiment gentil de leur part de me permettre de m'inspirer d'eux pour réaliser les modèles en papier que je peux ensuite partager avec tout le monde. Très bien, prenez ce jeton d'étoile comme cadeau de bienvenue, mettez-le dans le façonneur merveilleux, puis tournez cette poignée. Voyons ce que les gouttes de rosée... Merde, j'ai cliqué trop tôt. Une fois que vous aurez utilisé tous vos jetons, il faudra trouver un moyen d'en obtenir plus si vous voulez retenter votre chance. Quant à savoir comment procéder, vous pouvez demander des conseils à des amis. Je suis sûre qu'ils auront l'une ou l'autre idée. Une fois que vous aurez reçu un cadeau, vous pourrez l'exposer sur l'étagère derrière moi. En réalité, c'est pour cette étagère que j'ai construit le façonneur merveilleux et réalisé les modèles en papier. Ok, c'est une longue histoire. Je me ferai un plaisir de vous la raconter une prochaine fois. Mais maintenant, ouvrez le façonneur merveilleux, puisse ces chères gouttes de rosée vous accorder le cadeau que vous désirez, et que votre humeur soit bonne pour le reste de la journée. Ok. Et bah c'est parti. Ah, pendant l'événement, un été entre les femmes. Vous pouvez participer à la mosaïque d'instant pour obtenir des jetons d'étoiles. Ouais. Oui, bah ça c'est ce qu'il m'a expliqué. Ok. Cinq façonnages. Et bah hop. Maintenant faut que je comprenne ce que ça. Ah non, j'ai rien à faire. Ok. Moi. Voilà, on en refait encore. De toute façon, j'aurais plus besoin de ces petits jetons là. Oh! Ils ont des couleurs différentes là. Ok. Alors pourquoi? Il y en a que j'ai eu en double. J'en ai eu deux en double. Alors. Ben voilà. C'est pas mal ça. Hop. Alors. Du coup, c'est pas du tout ça que je devais faire finalement. Où dois-je aller ? Sous la taverne. Oh, c'est joli ça. Qu'est-ce qu'ils ont ? Elle est méchante. Ah ! Ok, j'en ai deux sur trois. Donc c'est pas cette fleur bizarre, ça doit être autre chose. Non. Celle-là ? Non. Ça, j'ai déjà pris. À mon avis, ça doit être derrière. Wow ! Je vais bien. Elle est trop bien. Elle est hyper forte. Trop bien.
Du coup, c'est ça, à mon avis, le troisième élément. That should be everything, right? What should we do now? Let's go back to the Hut of Blessings. Give me just a second. I'm gonna go fetch an ink bottle from the other room. Prima doesn't get it. All the ingredients are super tasty, but somehow the final product turns into ink. Well, anyway, Paimon's not going anywhere near this stuff this time. Not even if you bribed her. Sorry to keep you waiting. Let's see. According to the book, first you do this, and then... It's done! Okay. C'était facile. Wow! Magic sure makes everything super convenient! Alors... Oh, mais il a à nouveau sa couleur. Yes, this is it. This is exactly the magic tonic we need. Grandpa Almond, could you take the concoction to the room underneath the tavern and place it next to the transparent bottle you found? I'll handle the rest. Of course. As you command, so it shall be done. I still get nervous at times like this. It's just like when you step on stage and you can tell that every single person's gaze is fixed right on you. Thanks, you two. I can't tell you how great it is to have you by my side. Almost makes me feel like I've been blessed by the Goddess of Fate, too. Let's go. We shouldn't keep everyone waiting. Ouais, s'il n'y a pas autre chose... J'ai mis de l'encre depuis le pont, c'est ça? Ah, là. Forest, please heed my words and accept my blessings. May your spring of wondrous magic never run dry. And may all who call you their home lead happy, fulfilling lives. J'ai réglé le problème de couleur. Il y a des bulles partout. Oh, c'est beau. C'était des couleurs un peu chatoyantes. Chatoyantes. Fairy Nilou is amazing. Wow. It's so pretty. What a beautiful tavern! It matches the scenery of the forest perfectly. I was so surprised when it suddenly opened up like that. Just like a pop-up book. I remember now. I remember everything. It was me.
I was the one who went to the top of Constellation Metropole and witnessed the goddess's prophecy. The hero who shall save this world will descend upon the cliff of prophecy. The hero, supported by their companions, shall restore peace to this world. So the prophecy really did have all the answers. You just forgot the first half. That's why I was waiting near the cliff of prophecy. Wonderful. Simply wonderful. There's still some hope left for old Armand after all. Is the Cliff of Prophecy that place with the huge mural? Because that is where we woke up, but we don't remember anything about how we got there. Also, we didn't get a change of clothes like Nilu. Are we definitely the heroes? If not you, then who else? You've already helped the fairy revitalize our forest. To us, that makes you heroes. Prophesized or not. All right. Either way, we're going to keep adventuring, even if it's just to figure out how we can get back to our world. Alors. Yep, that's exactly right. Helping people we meet on the road is kind of our thing. As expected, the words of the goddess of prophecy always... I'll come with you. It can't hurt to have a magical fairy tag along, right? Ça y est, j'ai le perso, j'espère. Heroes and fairies, dragons and new adventures. This is sounding more and more like a fairy tale by the second. I would say your next stop should be Constellation Metropole. It's Simulanka's most prosperous city, just across the sea. Once you've arrived at the Astral Garden at the highest point in the city, maybe you can try seeking divine counsel from the Goddess of Prophecy herself. Are you leaving, Fairy Nilu? I'm afraid so. There are still other people who need my help. I won't go far, though, and I'll come back to visit the minute I have time to spare. So be a good girl, Potisara, and help out Grandpa Almond whenever you can, all right? Mm-hmm. Got it. Potisara will wait here for you. That's a good girl, Potisara. I almost forgot. If Constellation Metropole is where you're heading, you'll need to take the Maritime Express. I'll head to the station first thing tomorrow morning and wake up that lazy station master for you. Why don't you take a break for the rest of the day? You should savor the beautiful scenery of the forest before you go. Sounds great! Paimon definitely feels tired after being on the go for so long. There's a spot in the tavern with Paimon's name on it! Oh, sounds like someone's ready to order. Oh, well... If you're offering, Paimon will take a glass of Buell fruit tonic. But hold the tonic. Ok. Partie terminée. Alors, où allons-nous? Dans le ciel étoilé, le marché attendait le lendemain. Bah attends. Le lendemain. C'est comment déjà l'horloge? Ici, je crois. Comme je l'ai fait qu'une fois. Ici, c'est bon, j'ai trouvé. Donc, il faut que je mette 8h du matin. Ah, demain. Demain, 8h. Ouais, on va mettre ça, hop. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Morning. Rendez-vous à la plateforme. Everything that happened yesterday wasn't just a dream then. Ah ouais, c'est loin. Je pense que je vais me mettre ici. Ça va peut-être être plus simple pour y aller. Well, it's time for our next fairy tale adventure. We should head to the station Grandpa Almond told us about.
Ah oui, je le vois, il est là-bas. Ouais, nickel. On aurait été plus rapide par là. Du coup, il n'y a rien autour. J'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de choses que ça à ramasser, en tout cas. Allez, là, la passerelle. Attendez, je vais regarder quand même s'il y a quelque chose à prendre par là. Ah! Hop! Un petit point de téléportation. Nickel. Alors. Il n'y a l'air d'y rien à voir. Bon, on va prendre la passerelle. Get up, said Jewel. Time to get to work, you lazy bones. Oh, I can't remember how to call the train. Just let me sleep a little longer, then I'm sure I'll remember. Don't try to pull one over on me, young man. Your fading disorder has been cured. I saw you chugging cup after cup of magic tonic in the tavern last night. You must be mistaken, Grandpa Allman. That guy definitely wasn't me. Oh, you remember my name now, do you? Then it seems like you're all better. You had no idea who I was when you were fading. Now, enough of your nonsense. Get up. The fairy and her friends are going to be here any second. All right. I'm up. The Maritime Express should be here soon. That's more like it. Lie there any longer and you'll start gathering dust. Is everything okay? The hero, her pixie companion, and the forest fairy. I didn't know you were already here. Oh, merciful macadamias. I'm sorry you had to see that. Hop, je reviens tout de suite, je fais une petite pause technique, j'arrive. Thank you.
Heureux. Bon, continue l'histoire du coup. Merci Mochip d'avoir géré le stream. Bon, ça va, y a pas eu de bêtises. Oh, it's alright. Paimon knows the feeling. Who doesn't want to sleep in first thing in the morning? Does the Maritime Express run out of Constellation Metropole? Yes. Each train needs a conductor to operate, and the conductors are always from the capital. The more difficult maneuvers are a little too complicated when you're made of paper. Oh, so you mean the people of Constellation Metropole aren't origami animals like you? Well, the city welcomes visitors from all over the world, so you're bound to run into some forest dwellers there. But yes, generally speaking, the residents of Constellation Metropole look quite different from us. Ah, you'll see for yourself soon enough. Here comes the train. Woohoo! Pleasure to meet you, everyone. My name is Wheel, and I'll be the conductor for your journey today. I'm a Whoa, it's a little toy man! Ludibrick. Yes, we call the train. The hero and the forest fairy need a ride to Constellation Metropole. The hero and the forest fairy! The ones from the prophecy! Oh, why didn't you say so earlier? We could have prepared a far more luxurious train. I'll just go back and get a better one. That's okay, Mr. Wheel. We're trying to get to the city as fast as possible. We just need you to get us across the sea. In your capable hands, I'm sure we'll get there in no time. Of course, my lady. It would be an honor. Well then, all aboard, sit anywhere you like. We'll get a stunning view of Simulanka no matter where you're seated. Oh, breakfast. Okay. Paimon numéro 2. Did one of you just say something? Wasn't me either. Breakfast. Elle est en train de dormir. Sounds like the voice is coming from inside the train. Fish. Chicken drumsticks. Oh, gotcha. What the? What's Kirara doing here? Oh, elle a des pattes de chat. Kirara. Elle se mange la queue. Ah oui, effectivement, elle se mange la queue. Ah, mais elle en a deux. Is she a friend of yours? Oh, let Paimon introduce you. This is Kirara. She's... Oh, wait. Actually, maybe we should wake her up first. So noisy. Is it morning already? Morning? Huh? Traveler! Paimon! It's you? Oui. Which means... Elle a même les yeux d'un chat. Oh, thank goodness! It was all a dream after all. Oh, gotta hand it to my imagination, it all felt super real. There were these toy people, but they were alive and they could talk. Ahem. Madam, sleeping overnight in the train car is prohibited. It wasn't just a dream? It's all right, Kirara. Apparently we're in a world called Simulanka. We got here yesterday, too. Simulanka? So, that's what it's called. I spent all day yesterday wandering around this one city. The toy people called it Constellation Metropole. I was trying to find a way to get back home.
I was seriously starting to think I'd gotten on the bad side of some great yokai and gotten swallowed whole. Ah, I take it you're Inazuman then, Miss Kirara? She sure is! But, Kirara here is kinda special. Let Paimon introduce you for real this time. Kirara is a Nekomata from Inazuma. She works as a courier for Komonie Express. Huh, nice to meet you. I'm Nilu, a member of Zubair Theater. You can usually find us performing in Sumeru City's Grand Bazaar. Right now, though, I suppose I should introduce myself as the Fairy of the Forest of Blessings. Oh, you're Nilu! I've heard a lot about you from my deliveries in Sumeru. I even saw one of your performances back in the day. You're an amazing dancer. But, did you say you were a... forest? Oh, yeah, that's her new identity here in Simulanka. Oh, speaking of new identities, looks like you got a new outfit yourself, Kirara! Yeah, I know! It confused the heck out of me yesterday. I just woke up in a set of brand new clothes I'd never seen before. That must mean you have a big part to play here, too! J'ai l'impression qu'on... Bah... Ah oui, d'accord. I think Miss Lynette would be better suited to that role, being a magician and all. Did you by any chance hear a voice speaking to you before you got here, Miss Kirara? A voice... Oh, yeah, I did hear something! But I was so freaked out my tails got all tangled, so I, didn't catch much of what was said. Sorry for the interruption. Il a peur. Il est en train de trembler. But this Nekomata friend of ah yours. Ah oui, bah oui, oui, c'est vrai, c'est un demi-chat. Kirara. Respect. J'espère que tu vas bien en tout cas. Or frogs. Grenouille. Oh, no need to worry, little guys. I would never do something like that. Well, unless I've been out in the wild too long without anything to eat. Oh, speaking of eating, I am getting a little hungry. Where are your manners, everyone? This young lady is a trusted friend of our esteemed hero. Now, I know a fear of felines is etched into us with ink, but I'm certain Miss Nekomata in boots here means us no harm. J'imagine même pas l'entretien de la douche après tous ces cheveux. Je viens de déboucher la douche de cheveux de ma fille. Ah, ça, les cheveux des femmes ou des filles, ça c'est chiant dans le siphon, effectivement. It sure looks like you're keeping your distance, though, Grandpa Almond. You will have nothing to fear, I promise. I met some origami animals in Constellation Metropole yesterday, and I even made sure to retract my claws so I didn't hurt them by accident. Plus, you all look just about as tasty as the cardboard boxes I deliver. not that I'd try to eat you even if you did look tasty. Promise. Please excuse us, Mom. It's just an unconscious reaction. Dear passengers, it's almost time for us to depart. Oh, yeah, that. Whoops. This turned into a pretty long conversation, didn't it? All right, let's get on the train! You coming with us, Kirara? Mm-hmm. I'll ride with you to the next stop. There's a place near the Metropole that caught my eye yesterday, so I want to go explore it today. Then all that remains for me to say is, on behalf of the Forest of Blessings, thank you once again for all you've done for us. May the Goddess of Fate be with you and bless your journey, Madam Fairy, Miss Nekomata in boots, and our brave heroes. Please do visit us in the Forest of Blessings again, once peace has returned to this land. We will. We'll definitely meet again. Take care, Grandpa Almond. Allez. Partie 2. Donc effectivement, c'est à ça que ressemblait le jeu quand mon frère était dessus. C'est pour ça que j'ai pas pensé.
C'était avec les trucs ludiques, les espèces de Lego. Du coup, en fait, il était déjà de l'autre côté, lui. J'avais pas vu la partie origami. C'est pour ça que j'ai eu un doute. Ah, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Comment je fais pour le tenir ? Non, c'est pas ça. Ouais, ok, donc j'étais bien au bon endroit. Ah, mais... Ah, ok, d'accord, je pouvais l'atteindre d'ici. Il part pas ? Ah oui, j'ai là. Have a safe trip! Wow! A train ride over the sea? What an incredible view! Please keep your head and arms inside the train at all times. We don't want anyone falling into the sea. C'est là-bas. Oh, il y a un deuxième train. There's a train coming the other way too! Now that the fading disorder is cured, I'm sure the forest will be a lively place again in no time. I gotta go explore that forest at some point. It looked so pretty from the train. I just hope they, won't be too scared of me. We'll be arriving at our destination shortly. Please prepare to disembark. Je peux pas me lever? Ah si. Here we are! Constellation Metropole is right over there. It's a short walk from here to the Gear Sky Ladder, which will take you right to Metropole Square. And thank you again for choosing Maritime Express. Great! And thanks to you for a smooth and pleasant journey, Mr. Wheel. The train cars were comfortable and spacious, and I had a great night's sleep. I'll definitely be back. As you wish, ma'am. Vachement gros en fait. Il semblait plus petit tout à l'heure. Where should we go next? Is that place you wanted to check out nearby? Mm-hmm. I took a walk around yesterday and it felt like there was something weird about it. So, I think I'll indulge my curiosity and go investigate. Want us to come with you? It's okay. You guys go ahead and visit the Metropole for now. Hopefully, that's where you'll be able to find out some more about this world. I pretty much explored the whole place from the rooftops yesterday, but for some reason, this is the place that caught my attention. You know what I mean, right? Like, when you get a stone stuck in your claw or something, it keeps nagging at you to dig it out, but you can't focus on anything else until you do. Don't worry, if you run into any trouble, I'll be there faster than you can say gold-level courier of the Comania Express. Okay, fair enough. We'll head to the Metropole then. Guess this is where we say bye for now. Mm-hmm. Don't worry about me. Let's not forget, I'm a yokai. Yokai, ça veut dire démon, d'accord. C'est quoi comme minerai du coup ça? Allez. Ah bon, c'est les mêmes que dans mon monde. Ok. Un petit avion en papier quelque part. Je le vois pas. Ah, il est là-bas. J'avais pas vu lui. Voilà. Non mais... D'où tu viens m'embêter, toi? Allez, on retourne voir notre quête. I'll race you there.
Are you guys already finished with everything in the Metropole? No need to prioritize me, Ah non, c'est pas maintenant. Faut que je revienne plus tard, c'est ça? Sure! Don't worry. Ok. Je vais la... Hop. Map. Je vais mettre que elle m'attend. Donc... Tac. Parce que je sais pas si elle s'affichera ou pas. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, je pense qu'elle s'affichera encore. Ok. Eh bien, c'est parti. Jean will be upset if she catches us lazing around like this. Déjà, j'ai vu qu'il y avait un coffre par là. No escape. Allez, on les tue tous d'un coup, sauf lui. Bien évidemment. You're in for a little shock. You're in for a little. Hop là. I'll keep this close. Ok. Suivant, qu'est-ce que je peux trouver par là? Bon, ça c'est du minerai. Ah, j'arrive pas à le choper. Non. Il a l'air de rien avoir par là. Pourquoi elle est de l'autre côté de l'île? Des fois, il y a des petits trucs cachés, genre un trésor. De toute façon, je peux y aller, donc autant essayer. Regardez au moins. Là. On va aller voir si ça débloque quelque chose. Ça n'a rien débloqué, donc ça servait à rien. Ok. Ah, il y a un défi là-bas. Hop, je vais me le noter aussi sur la map. Il doit être ici à peu près. Tac. Confirmé. Voilà. What's the hurry? Je peux faire quoi avec lui? Ah, mais c'est le petit écureuil. Mmh.
Ok. Fascinating. Bah du coup ça c'est bon. Lui il avait un point d'interrogation à la base. Non, il n'a plus rien. D'accord. Alors c'est parti. Help me! Somebody, please! Il a besoin de mon aide. Il est où? Ah oui, il a... Help me! Help! Oh, goddess of prophecy above, would you kind souls please help us? What happened here? Why are you all suspended in midair? Oh! Ah oui, d'accord. I mean, being stuck in midair still beats falling to the ground and being smashed into a pile of blocks, but... I told him to be careful, but... No, never mind. Now's not the time for that. My good friends, could I trouble you to turn the clockwork key over there? I'll explain everything in a bit. Okay, on va tourner la clé. Alors, il est parfois possible d'apercevoir des... Ouais... Il s'agit d'un cadeau de la déesse prophétesse qui peut aider à retrouver leur chemin. Ouais... Attaquer les mécanismes. Ok, faut que je tape dessus. Après avoir rembobiné le paysage, laissez tout immobile pendant 2 secondes et le chemin destiné de Udi s'activera de nouveau. Qui peuvent interférer avec l'orientation. Ok. Bon, on va essayer. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Non, ça fait rien. Il s'agissait à l'origine d'un pilier que les habitants utilisaient pour prier les oracles. Ok, lorsque vous regardez le pilier oraculeux, le bouton d'interaction apparaît. Appuyer dessus fera s'envoler le fil magique. Appuyer dessus. Ah oui, vers le prochain pilier, ok. Vous pouvez attaquer le pilier pour réinitialiser toutes les connexions. Ok, bah du coup c'est bon. J'ai capté. Oh, thank you. Oh, thank you. What happened there? It almost seemed like we turned back time. I take it this is your first time witnessing the power of the Goddess of Prophecy then? If so, I can see why you might think that. Basically, this is a gift bestowed upon Constellation Metropole by the Goddess of Prophecy, who rules over the natural course of all things. It helps those who have deviated from their proper path to get back on track. Proper path? Do you mean everything that happens in the Metropole has been planned out since the very beginning? Why are you saying that as if it's a bad thing? You're not explaining it clearly. Here, allow me. Of course, all the residents of the Metropole have the freedom to live their own lives. For instance, whether I use olive oil or sesame oil in my morning skincare routine is entirely my choice. But whenever something disastrous is about to happen, like when I almost got turned into a pile of rubble just now, the goddess's magic will activate in the world around us. So, in other words, it's kind of protection magic to keep people alive? You could say that. There are other situations in which it activates too, but that's basically correct. Well, in any case, we're glad no one's hurt. Are you heading to the Constellation Metropole? Yep. Do you know where we can find the Gear Sky Ladder? Oh, it's just that platform up ahead. The one with the key sticking out. That thing? Are you sure? Yep, that's the one. Pretty much everything in the Metropole runs on tracks and gears. The Goddess of Prophecy watches over it all.
Which is to say, all the tracks are fixed. If a machine is set up to move forwards, it'll never move in reverse. This reminds Paimon a lot of Fontaine's clockwork toys. You mean, like those music boxes with dancing figures? I think I've seen one or two from the merchants in Sumeru. Yeah, exactly like that. Anyway, sounds like it's not gonna suddenly fall out of the sky, so Paimon's okay now. Should we get going? Okay. Bon. Bah ça c'est fait. How fortunate. What's the hurry? On va au moins activer pour pouvoir rentrer dans la métropole et après ce sera bon. On s'arrêtera là pour aujourd'hui parce que il est déjà midi donc on va tous aller manger comme on dit, c'est important de manger. Hein. Attaquer les mécanismes. Oui, bon ça j'avais compris. Lorsque l'engrenage est complètement chargé, il cesse de tourner. Ok. Il va s'attaquer pendant un certain temps. Il retourne sur son chemin. Ok. Comment je fais? Putain, je suis... Je sais pas, j'avais pas compris la vue, là. Wouah. Eh ben, on est au bon endroit, donc... Je vais récupérer mes petits succès et puis je vais vous laisser là après. Là ok, c'est bon, il n'y a plus rien à récupérer. Mes petits messages, ça c'est... donc... Ça j'ai déjà récupéré ça aussi. Hop, tenue. Ah, j'ai pas récupéré encore ma récompense de connexion. Faut que je la récupère. Hop. Alors ici, ça a l'air d'être bon. Les annonces, on s'en fout. On verra ça plus tard. Ça non. Ça c'est quoi déjà? Ok. Ah, j'ai débloqué des trucs comme ça. Voyage de compte, façonnage de statuette, mosaïque d'instant. Ok, bon, on regardera ça. Prochain coup, et je crois que j'ai un cadeau disponible. Un cadeau stylé. Yes! Et donc je gagne. Ok. Ça aussi. Les extraits de félicité. C'est les avions en papier, non? Je pense. Mon prochain stream. Je sais pas encore. Peut-être ce soir. Mais c'est vraiment pour continuer, mais je suis pas sûre. Je vais pas dire de bêtises. Hop. Voilà. Ça, j'ai récupéré toutes mes récompenses. Ah, j'ai encore un truc par là. Tac. Ok. Là, c'est bon. Et j'ai Come on, plus de let's points d'exclamation. We're not frozen in place after all. Voilà. Ah, je vais juste activer ça, comme ça ce sera fait. Nickel. Donc prochain stream. On peut reprendre ce soir. Hein. 21h. Tranquillou. Moi ça me va. Hein. Ouais, je ferai peut-être une heure ce soir. Puis voilà. Et bah bon appétit et puis bah bon après-midi également. Hein. Profitez bien. Salut.